Les chemins de Compostelle sont multiples. Celui-ci traverse un village singulier et préservé. Nous le découvrons un matin d'octobre, nimbé d'un épais brouillard, avec un froid piquant. Ambiance ouatée, déchirée ici ou là par les raies du soleil qui dévoilent une bourgade où les maisons de pierre s'accrochent et se fondent au versant de la montagne. La coquille de Saint-Jacques, signe de reconnaissance du marcheur. L'abbatiale, dont le tympan est à l'étude, nous révélera un intérieur lumineux et dépouillé. Quelques rares visiteurs bravent les frimas du petit matin. Puis, cheminant au long des ruelles, nous découvrons ici le logis du pèlerin, là les dernières demeures taillées dans la pierre, et puis les restes de l'abbaye, cloîtres et jardins. Et une dernière vue de l'abbatiale.